Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Mes journal là, mes titres, cap de l'actualité. L'État côté aux citoyens réveillés, aux thèmes yon émission spéciale sous crise sécurité à ANMH réalisé 3 avril là, dans studio radio télépacifique, côté plusieurs l'autre station affiliée, te retransmettre. Bandi assassiné samedi dans Pernier, Madame Kamidji Depas, qui est directeur général ministère Kilti, c'est dans la Kaili, Bandiyo, Touye Edith Depas. Militants droit Mounio mandé autorité yo renforcer bataille contre criminalité à non pays, particulièrement contre trafiquants d'armes et drogue cap alimenter insécurité. Médecins sans frontières MSF suspend activité yo dans commune Cité Soleil à cause de violence bandiyo. 11 moun mouri, 132 lot blessés dans 29 cas accidents. Circulation, organisation stop accident recensé, sorti 28 mars pour arriver 3 avril. Et pilote Bodlo dans le pays Costa Rica, Rodrigo Chavez, élu président après élection 3 avril. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, messieurs, nous retournons. Bandi assassiné samedi dans Pernier, Madame Kamidji Depas, qui c'est DG ministère Kilti, c'est en don la Kaili, Bandi Otouye Edith Depas. C'est un adolescent, 14 l'année, qui tape travail la Kaili, Madame Depas, qui t'a touillé. La police arrêté présumé assassinant après Zach Silla. L'État côté aux citoyens réveillés au septième émission spéciale sous crise sécurité à Association nationale médias haïtiens yo ANMH réalisé 3 avril là non studio radio télépacifique qui te retransmette sous plusieurs autres stations membres ANMH. C'était occasion pour membres ANMH yo te réunis sous même plateau tant que président association Jacques Sampeur, Hérol Jean-François PDG Radio Ibo, Liliane Pierre-Paul Radio Télé Kiskeya, Jean-Robert Alphonse Radio Magique 9 ak nouveliste Wendell Théodore Radio Télémétropole, Jean Mona Metellus Radio Télé Caraïbes, Marie-Raphaël Pierre Radio Ibo à Clot invité. Différents intervenants ont demandé citoyens ont réveillé, prendre destin ont nommé, ont expliqué, ont pris décision, fait émission pour montrer à tout le monde qu'a fait zak violence, qu'il y a une personnalité toujours dans le pays. Pour Hérol Jean-François, haïtien yo retourné à vivre à l'état de nazi côté bandit yo pas respecté en rien, yo pas respecté la vie moun. Ces mêmes considérations, Liliane Pierre-Paul fait tout côté ces jeunes délinquants cap commettre zak kidnapping, tout yé moun sans qu'est sauté, participant yo dénoncé projet social qui pas gagné non quartier défavorisé yo, pas gain encadrement pour jeunes yo, toute valeur sociale yo aller. Ça contribue à craser pays. Représentant médias haïtiens ont déploré Premier ministre Lan, pas qu'un promesse l'été pour le bail, la police te reprenne contrôle territoire, particulièrement quartier Matissan, dans entre sud capitale là. Yo dit gen quelques actions la police menait contre bandits, mais ça pas assez dit tout. Concernant date 3 avril là, qui c'est anniversaire assassinat Jean-Léopold Dominique, intervenant yo te profité réclamer yon fois encore justice pour défaillant. Yo mande justice pour toute personnalité qui victime zak violence yo, non pays a parmi yo Jacques Roche, Jovenel Moïse, Montferrier Dorval, Vladimir Le Gagneur, pendant yo souligne gen 3 journalistes qui déjà victime dans commencement année. Depuis plusieurs années, c'est impunité qui a régné dans Haïti, d'après sa responsable ANMH déclaré, côté même président Jovenel Moïse qui mourit assassiné la Kaili, pas qu'à joindre justice, alors qu'elle censée fait partie famille politique qui sous pouvoir. Yo mandé pour une série pratique qui liée à injustice et puis impunité fini dans le pays pour qu'à sortir crise là, côté presque tout citoyen yo à genoux. En côté président ANMH là, Jacques Sampeur. Ce 3 avril, jour du triste anniversaire de l'assassinat odieux et scandaleux de Jean-Léopold Dominique et de Jean-Claude Louis Saint. Nous sommes là, pour dénoncer des cas d'assassinat, de kidnapping de nos vaillants journalistes. Dernièrement, un directeur propriétaire de médias avait été kidnappé. Est-ce pour notre secteur de médias, de la presse? Nous sommes là pour tout le monde. On tue nos bébés, on viole nos femmes et nos enfants, on kidnappe la petite marchande de pistaches, pour ne citer que cela. Et nous sommes dans un profond sommeil, dans un état léthargique. Notre pays connaît aujourd'hui une violence inimaginable. Aujourd'hui, nous constituons une plateforme transversale à partir de cette émission qui ne connaît pas de grand, pas de petit, pas de gauche, pas de droite, pas de centre, pas de couleur, pas de race,
pas de classe. Nous sommes tous des Haïtiens victimes à un titre ou à un autre. Alors, unissons-nous pour combattre ce qui est prioritaire, ce qui nous détruit, ce qui nous empêche de vivre normalement. Réveillons-nous, mettons-nous debout enfin et crions-nous tous ensemble d'une seule voix. Non. Non. Plusieurs militants d'Ouamoun ont participé dans l'émission 3 avril là, parmi eux Marie-Jocelyne Colanouel, qui est dans la commission épiscopale justice et paix, CEJILAP. D'après lui, il y a 305 personnes qui mourent à balle, bandit dans l'année 2021, côté ajouté, il y a l'autre bandit qui cachait derrière bandit, qui a fait zak violentieux. D'après lui, il y a 131 cas kidnapping enregistrés dans le mois janvier 2021, alors qu'il y a enregistré 236 dans le mois janvier 2022. Défenseur d'Ouamoun l'a expliqué désorganisé. Sociale là, côté gain migration interne, la cause insécurité a. Pour lui-même, pas gain volonté politique, toute institution yo, pas marché la cause ak violence yo dans le pays a. Madame Noël déclarait gain plusieurs milliers moun victimes de insécurité a depuis plusieurs années. Depuis 20 ans, c'est déjà plus passé 15 000 moun qui mourent avec zak violence. Et puis fort, dans le cas sa yo, nous toujours dit, c'est dans la zone métropolitaine, non? Et moun sa yo perdu la vie, yo. Et c'est toute qualité moun, dans tout secteur, dans toute qualité activité, qui perdit la vie, yo, en bas, balle, en majorité. Pour l'année 2021, nous avons recensé 664 cas moun qui mourent. Et parmi moun sa yo, te gen la dani, plus passé 590 qui te mouri avec balle. Soti janvier, rive mars 2021, nous te recensé 131 cas moun ki mouri avec violence, avec balle dans zone métropolitaine. Le nou gade chif sa yo, nou ti kas gade tout ki kalte balle ki touye moun yo. Et pour 2021, nous t'ai noté 118 nan cas moun nou t'ai recensé qui mouri ak violence c'était avec balle la police. Mais 305 nan cas moun qui t'ai mouri en 2021 c'était avec balle moun armé. Moun y a pris les gangs yo, moun y a pris les bandits yo. Alors que en réalité bandi en pas seulement moun qui tire a pas seulement moun ki exécuté bandi yon très souvent son moun a kol son moun ki chiton kote son moun ki placé on kote son moun ki gen business la régler. Responsable centre de recherche et d'analyse en droits humains CAR de DGD Anjan confirmé gain 225 cas kidnapping yo recensé pendant premier trimestre là. Pour lui-même membre communauté internationale là gain responsabilité yo tout dans crise sécurité à côté yo pas toujours kembe promesse yo dans cadre bataille contre insécurité à. Cependant militant Ouamoun l'a déclaré autorité dans gouvernement pas rempli mission yo non renforcer capacité police là et puis prend disposition pour soulager citoyens dans quartier populaire yo. GD Anjan parler des insécurités qui rendent majorité citoyens aux plus pauvres, côté le dénoncer conséquences psychologiques insécurité à tout sous citoyens yo. L'imandé instance concernée yo prend disposition pour bataille contre criminalité à particulièrement trafic drogue, trafic zam et blanchiment d'argent. En Koutel qui a participé dans l'émission 3 avril. Pour le premier trimestre de l'année 2022, donc janvier, février, mars, nous recensons 225 cas de kidnapping contre 142 pour le premier trimestre de l'année dernière. Alors, une première précision que nous toujours fait, et chiffres que nous avons, ce sont des indicateurs que vous voyez. Nous pas dit c'est exactement le nombre de personnes qui sont kidnappées, mais à travers la cellule d'observation de la criminalité du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, nous pouvons être capable d'observer est-ce que le phénomène est lié à la hausse ou bien lié à la baisse. Maintenant, je dis, nous constater que phénomène est lié à la hausse. Donc là, nous faisons comparaison de trimestres, nous voyons que il y a une possibilité pour que le kidnapping augmente. Donc du coup, nous profitons pour nous faire appel d'abord à partenaires internationaux qui font des promesses, puisque l'on a parlé du respect des droits humains qui sont de gouvernance, et c'est l'État qui concerne le premier chef. Je dis, il faut que nous assumions les responsabilités, parce que ça n'a pas vivre là, son épiphénomène. Maintenant, là, nous dit l'État responsable, oui. L'État sont personnes morales, sont fictions juridiques. Mais qui même qui n'a pas agi pour le compte de l'État? Là, je fais référence au gouvernant. Donc, je dis à Fok, qu'on met à culpa qui fait, faut que responsabilité soit fixée. Ça n'a pas vu, je dis là. Il y a une histoire, il y a une littérature, non, tout ça, ça sont pour une magasin. Maintenant, deuxième magasin là. Je dis,
faut que nous mieux comprenne comment le kidnapping a développé, parce que faut regarder exactement quel ensemble de secteurs de personnalité qui contribue au développement phénomène. Le temps que nous font camper pour ne pas seulement à problématiser, à expliquer, à répéter même bagaille, mais je dis à comment concrètement pour nous modifier la donne. Nous-mêmes qui n'avons droits humains, approchons-nous obligé transversal, parce que le kidnapping n'a affecté d'abord couche plus vulnérable. Bon côté par la directrice fondation Jécléria FJKL Marie-Hélène Gilles déclaré l'irrécenser 23 foyers gangs actifs sous territoire dans l'année 2019. Ces adolescents et jeunes adultes cap commettent toutes actes criminels, parmi eux, assassinat, kidnapping et vol. Phénomène non vin plus grave à gang 400 Marozo dans la commune Croix des Bouquets qui gagne ramification dans Tossel, Peigné et Boutillier dans Pétionville. Gang fédéré pour capable terroriser la population d'après Marie Yolen Gilles, qui ajoutait chaque gang gen la donne pour pipiti yon policier. Pendant le tap reprendre parole ancien directeur général PNH la, Michel-Ange Gédéon, comportement manfou ben autorité yo nan gouvernement particulièrement, faiblesse système justice la permettre gang yo épapillé yo sous territoire, d'après directrice fondation J'éclairé FJKL qui t'a participé nan téléphone nan émission 3 avril la. 2019, nous t'ai dit, zone métropolitaine te gen environ 23 foyers qui étaient actifs. Je dis à Sinda, dit le conseil, c'est que nous avons été dit par rapport avec évolution question phénomène gang. Un foyer de gang, c'est un regroupement plus ou moins structuré qui a un pile adolescent là-dedans avec jeunes adultes qui jouit d'un pile privilège, il y a des forces pour intimider les gens et spécialiser dans détourner machines, dans tuer les gens, dans kidnapper, vol à armée armée. Mettez toute force pour yo capable appauvrir population alors que tout monde qui t'a là pour t'a bloquer ça yo pas jamais dit rien. 400 Marozo c'est une foyer criminel qui fait des crimes plus spectaculaires que n'a vu pendant ces derniers temps là yo. Nous gagne d'autres foyers qui et qu'on connaît yo regroupé tête yo fédéré tête yo en G9 en famille et alliés sous point de Fontamara jusqu'à Cité Soleil. Et ou vin jouen jounen jodi a, nou gon lot foyer ki komanse a mouvman de koli, se zon Berger avec Grissier, ki se de foyer de gang, ki de formation ke nou pot ko komanse tande, et jounen jodi a, nou komanse a tande. Autorité ki ta la, pou ta kapab bay de repons, ou vin jouen an pil la dan yo fè yo complice de phénomène gang, ki map cité. Gen ancien inspecteur général, un chef la police la ki te di, dans chaque gang, il y a là des ramifications avec un policier qui en activité quand même. Ancien directeur de la police, la Gédéon, il était dit seulement. Ce n'est pas gang à sa patte seulement, il y a des gangs qui accostument, qui a terrorisé la population. Médecins sans frontières, MSF, fait un campé sous activité lio dans la commune Cité Soleil à cause de la violence bandits. Toute activité yo dans l'hôpital MSF dans la commune là campé à cause conditions sécurité yo pas réuni. Organisation a condamné toute forme violence cap faite sous malade cap fréquenté l'hôpital ak membre personnel yo. Dans mois d'août passé à ONG a été décidé déplacer l'hôpital quitté dans Matissan qui sous contrôle bandamé yo. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.